Et salut à toutes et à tous, Sata. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Hypothèse. Salut tout le monde. Lors de cette vidéo, nous allons vous présenter l'épisode 3 du tuto de A à Z avec cette fois-ci le Torquilonia. Mais juste avant, je souhaitais vous présenter du coup un Discord, donc qui sera un Discord communautaire lié à cette chaîne YouTube, lié également à Twitter, sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos informations qui seront centralisées dessus, tous les documents, etc. que nous avons pu partager jusque-là sur YouTube ou sur Twitter, ainsi que d'autres documents que vous ne connaissez pas, typiquement un tableau qui calcule les dégâts, etc., qui a pas mal de fonctionnalités qui peut être utile pour les gens qui aiment bien faire du theory stuff, etc. Donc voilà, le but de ce Discord est de partager des moments ensemble, de discuter, de répondre à vos questions si vous en avez, etc. Voilà, d'être dispo pour les gens qui souhaiteraient discuter, qui souhaiteraient un peu passer un petit moment en notre compagnie. Donc voilà, n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse, le lien sera dans la description. Et sans plus tarder, du coup, nous allons commencer avec la présentation des mobs du Torquilonia qui sera faite par Hypothèse. Alors la première chose à savoir lorsque vous allez faire Torquilonia et lorsque vous allez rentrer dans la zone de Kroko, c'est que tous les monstres dans le combat vont avoir un état qui va changer à chaque début de tour. Les états sont calqués sur les phases lunaires et sont au nombre de 8. Le premier c'est Nouvelle Lune, ensuite c'est Premier Croissant, Premier Quartier, Gibbeuse Montante, Pleine Lune, Gibbeuse Descendante, Dernier Quartier, Dernier Croissant et ensuite on repassera à la Nouvelle Lune. Donc c'est un cycle en fait de 8 tours. Du tour 1 à 8 on aura Nouvelle Lune, puis après Dernier Croissant, tour 9 on repart sur une Nouvelle Lune et ainsi de suite. À chacun de ces états, tous les monstres du combat vont gagner un effet. Et lorsque on va tuer un monstre qui est dans un état, du coup, tous les monstres du combat vont gagner cet effet de manière infinie. Alors, pour la nouvelle lune, lorsqu'on va taper un monstre, on va renvoyer une partie des dégâts dans un cercle de cases 2 autour de nous. Alors, le renvoi de dégâts, c'est très très peu, hein, c'est peut-être 10% et encore. Ce serait vraiment beaucoup. Et lorsqu'on va tuer un monstre, on va reconstituer tous les autres monstres du combat et on va leur mettre l'état invulnérable pour un tour, donc jusqu'au prochain tour de la personne qui a tué le monstre. Ensuite, pour l'état premier croissant, les monstres vont réduire les dommages subis de 20%. Donc si on tue un monstre à ce tour-ci, bah, ça peut être vraiment problématique si on commence à stacker en fait ce bonus, hein, parce qu'au final c'est comme si les monstres gagnaient 20% de résistance, donc c'est un peu embêtant. Ensuite on a Premier Quartier avec 10% de résistance, Gibbeuse Montante avec 2 PM, la Pleine Lune qui est l'état le plus cancer, puisque lorsqu'on va taper un monstre, on va se prendre un retour des dégâts d'environ, je dirais, 50%. Typiquement sur un coup de claque à 2000, je vais me prendre entre 1100 et 1200 de dégâts. Et lorsque l'on tue un monstre, ce sera pareil que pour la nouvelle lune. On va reconstituer tous les monstres du combat et on va leur mettre l'état invulnérable jusqu'au prochain tour de celui qui a tué le monstre. Ensuite, on a Gibbeuse Descendante où les monstres vont gagner 2 PA. Dernier quartier où ils vont avoir 500 points de bouclier. Dernier croissant où ils vont augmenter les dommages finaux occasionnels de 20%. Voilà. Maintenant, on va voir le fonctionnement du donjon en particulier et on va commencer par la Torquilonia. Alors grosso modo, la Torquilonia a 4 sorts. Son premier sort, c'est Carapace Lunaire, donc où elle va réduire les dommages qu'elle subit de 20%. Ensuite, on a le sort Faisceau Lunaire qui va se diviser en 3, puisque Faisceau Lunaire va avoir une zone d'effet qui va changer selon l'état dans lequel est la Torquilonia, selon la phase lunaire évidemment. Donc ce sera des dégâts feu, et par exemple, sa première zone d'effet, ça va être une croix en diagonale à PO infini, donc ce sera toutes les diagonales de la Torquilonia. Ensuite, ce sera toutes les lignes de la Torquilonia, donc pareil, des dégâts feu. Ensuite, ce sera un cumul des deux, donc ce sera toutes les entités qui seront alignées avec elle, que ce soit dans les lignes directes et dans la diagonale. Donc de manière générale, en fait, pour éviter les dégâts de ce sort, en fait, on va du coup éviter de rester aligné avec la Torquilonia, puisque c'est un sort qu'elle va lancer au début de son tour de jeu, sans même chercher les autres sorts pour l'instant. Donc voilà, pour counter, on va dire, cette mécanique de sort, il suffit de pas rester aligné avec elle. Ensuite, on a le sort Goutte Lunaire, donc qui va mettre de l'érosion, qui va faire des dégâts hauts, et dont la zone d'effet va aussi changer selon l'état dans lequel est la Torquilonia. Donc la zone va varier entre une croix de taille 1, un cône de taille 1, et un carré de taille 1. Voilà, donc rien de plus à dire, juste que c'est un peu chiant de savoir dans quel état va avoir telle zone d'effet, etc. Donc je vous invite à aller sur Offensive, hein, ce sera plus détaillé, c'est un peu long à expliquer. Ensuite, on a le sort Ricochet Sacré, qui est un sort qui se lance à faible PO, mais qui est le sort le plus dangereux, puisque ça va retirer des PA, faire beaucoup de dégâts hauts, et lorsque la Torquilonia va cibler une personne, par exemple Atta, toutes les entités alliées d'Atta, du coup, qui sont dans une zone de cercle 5 autour de lui, vont subir ce sort et vont servir de point central pour relancer ce sort. Si par exemple,
Atta est à prendre le sort, je suis à moins de 5 PO de lui, je vais prendre le sort. Si quelqu'un d'autre est à moins de 5 PO de moi, il va prendre ce sort, et ainsi de suite. Mais Atta, vu que je suis à moins de 5 PO de lui, il est logiquement à moins de 5 PO de moi, hein, c'est logique. Mais lui ne reprendra pas les dégâts du sort. Du coup, ça va quand même permettre de prendre énormément de dégâts dans la team si on est vraiment paqué, typiquement sur le placement de départ. Vous verrez dans la vidéo que le placement est un peu à chier vis-à-vis de ce sort. Donc voilà, c'est une mécanique quand même qu'on peut counter relativement facilement en se séparant. Ensuite, on a un sort, c'est pas vraiment un sort, puisque c'est un sort qui va lancer au tout début du combat, qui s'appelle Appel de la Lune, où elle va invoquer un Lune Orb, donc c'est une invocation qui sera au milieu de la carte, qui sera indéplaçable, invulnérable pendant toute la durée du combat, et qui va rendre tous les monstres du combat invulnérables, et ce de manière infinie. On verra comment les déloc après. Voilà, donc l'orbe du coup va permettre de déloc les monstres. Il faut savoir que l'orbe va avoir le même état que les monstres dans le combat, donc la phase lunaire en fait des autres monstres sera calquée sur celle du Lune Orb. Et à chaque état, donc à chaque phase lunaire, le Lune Orb va invoquer un glyphe bleu. Comme vous pouvez le voir sur le schéma que vous avez devant les yeux, dans l'état 1, donc dans l'état Nouvelle Lune, le Lune Orb va invoquer un glyphe bleu en haut à droite, dans l'état 2 tout à droite, dans l'état 3 en bas à droite, et ainsi de suite. Elle va tourner dans le sens horaire de Dofus, donc sens horaire tout court en fait, hein. Et à chaque état, du coup, le glyphe va se déplacer à chaque début de tour du Lune Orb. Voilà. Et donc on va devoir utiliser ces glyphes bleus de manière à déloc les monstres. Pour ceux qui connaissent le Melou, c'est un peu la même manière. Il va falloir être dans le glyphe et taper une fois un monstre en fait pour qu'il devienne dans l'état vulnérable. Et après on va pouvoir le taper. Voilà, donc typiquement sur une flamiche, la flamiche va le déloc, après on va pouvoir le taper. Sur une flèche persécutrice, ce sera la première ligne de dégâts qui va déloc du coup le monstre. Et il faut savoir par contre que le monstre du coup ne sera déloc que pour le tour de la personne. Et que si on sort du glyphe bleu, le monstre redevient invulnérable. Donc quand on est dans le glyphe 1, 3, 5 et 7, on peut se déplacer dans le glyphe librement. Par contre, quand on est dans le glyphe 2, 4, 6 et 8, on ne peut pas se déplacer puisque les cases sont en diagonale et ne sont pas liées les unes entre elles. Donc si par exemple on tape d'une case sur le quand on est dans le glyphe bleu et qu'on se déplace, le monstre redeviendra vulnérable et on va devoir du coup se remettre sur le glyphe pour retaper et lui refaire des dégâts. Donc ça peut être embêtant. Voilà. Il faut savoir que quand un monstre passe son tour sur un glyphe bleu, il est soigné de 10% de sa vitalité. Donc sur les monstres normaux, le Kashkai, le Kedgyu, la Lâche, ce sera un heal de 600 HP à peu près. Donc ça peut aller, mais sur la Torquelonia, ça va monter à 1400-1500 HP. Donc ça peut être embêtant. Et il faut savoir que lorsque l'orbe du coup, va faire un tour complet, donc lorsqu'elle reviendra à la position 1, tous les alliés, donc Atta et moi par exemple dans le combat, on va perdre soit un PA, soit un PM, et ce de manière infinie. Voilà. Donc on a vu du coup que l'orbe changeait d'état à chaque début de tour vis-à-vis de l'état du coup des monstres du combat, mais il est possible d'accélérer l'état des monstres et du Lune Orb, et donc la position du glyphe, en infligeant des dégâts au Lune Orb. Il va avancer d'un état par ligne de dégâts. Donc si par exemple je lui fais une flamiche et qu'il est dans l'état 3, il va passer à l'état 4. S'il est dans l'état 3 et que je lui fais une flèche persécutrice, il va passer dans l'état 5. Si je lui fais un Kak Volcan qui a 4 lignes de dégâts, il va passer dans l'état 7. Voilà, donc c'est un peu une stratégie utile en fait si on veut par exemple tuer uniquement à l'état 4, etc. Vous verrez dans la vidéo juste après en fait qu'on peut taper du coup l'orbe pour accélérer le combat parce que sinon on va devoir attendre 8 tours à chaque fois et ça peut être très embêtant. Voilà, au niveau de l'IA, la Torquelina a une IA plus ou moins agressive. En fait, on va d'abord chercher la ligne de vue sur faisceau lunaire, donc que ce soit la ligne ou la diagonale. Donc ça peut être un peu embêtant, on va dire, hein, parce que si elle n'est pas forcément taclée, elle va se déplacer. Bon, ensuite, elle va revenir pour lancer goutte lunaire, puis pour ricocher sacré. Donc généralement, elle va vite se retrouver dans votre camp. Voilà. Ensuite, on a le Kashkai, qui est littéralement le monstre le plus cancer de ce donjon, puisque c'est celui-là qui va vous faire louper statut. Voilà, donc son premier sort c'est Attirance de l'Invisible, qui se lance de 2 à 6 PO et qui attire de 63 cases et qui fait des dégâts terre. Alors, nous demandez pas pourquoi il attire de 63 cases, on sait pas trop, hein, c'est un fonctionnement un peu bugué. Bon, voilà, c'est un sort un peu cancer, sachant qu'il attire en ligne et en diagonale. Ensuite, on a Poison Pétrifiant, qui est ce sort en fait qui va vous faire louper statut, typiquement si vous n'avez pas de debuff. Donc, c'est un poison que met le Kashkai, qui est du coup debuffable, et qui va faire que à la fin de votre tour, lorsque vous allez cliquer sur passer votre tour, juste avant que ça passe votre tour, du coup, vous allez TP au corps à corps du Kashkai ou symétriquement par rapport à lui. Alors, typiquement, lorsque nous avons fait notre propre succès statut, on a par exemple fait passer le panda.
et le panda a été téléporté au cap du Qashqai, et du coup ça nous a fait foirer statut puisque la téléportation intervient juste avant le passage de tour, en fait, à l'entité juste après. Donc il faut vraiment faire attention à ce sort. Ensuite on a Traknar Reptilien qui se lance de 2 à 5 PO et qui pose un piège, un peu comme un piège d'Instram en fait, parce que lorsqu'on l'attire, ça attire de 2 cases, et ça fait des dégâts terre, et c'est des pièges qui se stackent et qui peuvent être déclenchés par les entités alliées du Qashqai. Donc si par exemple vous en avez 3-4 de stackés, bah typiquement le statut peut être loupé, parce que on va voir juste après que le Kidui va vous retirer des PM, donc si vous bougez et que vous vous retrouvez à 6 PO de votre position initiale, bah, ça va être compliqué d'y retourner. Ensuite du coup on a le Kidui, qui lui va retirer des PA et des PM, donc son premier sort ça va être Tagui d'ensorcelé qui va retirer des PM et qui va nous faire des dégâts neutres, voilà. Donc, pas forcément très plaisant de se prendre des dégâts neutres hein, puisque c'est généralement l'élément dans lequel on a le moins de résistance, mais bon, voilà, on fait avec. Ensuite on a le sort Jeu d'aiguille qui fait des dégâts hauts et qui retire des PA, qui se lance de 1 à 7 PO, donc voilà, ça peut être embêtant. Et ensuite on a le sort Prison Sanguine, ça en fait c'est un glyph qui va être posé du coup sur une entité, donc par exemple dans la vidéo que vous allez voir, ça sera posé sur le panda. La case centrale du glyph va du coup retirer 20% de résistance à l'entité qui est dessus du coup pendant un tour. Alors c'est, on se comprenne, hein, ça va retirer des résistances uniquement pour nous, hein, les alliés, pas pour les monstres, hein, que pour les joueurs. Et lorsqu'on va marcher sur les bords du glyph, en fait on va se prendre 10% de nos PV en dommage neutre. Voilà, donc encore une fois, bah, l'élément neutre c'est pas forcément le plus kiffant. Voilà. Au niveau de l'IA, le Kegui va avoir une IA agressive à partir du moment où il peut lancer son sort d'Aigui d'ensorcelé. Mais s'il ne peut pas le lancer, il va avoir une IA fuyarde et il aura tendance à uniquement lancer son sort jeu d'aiguille puis à reculer. Voilà. Ensuite, on a le sort, la lâche, compliqué à dire, qui a 3 sorts et qui est un peu la petite pute de ce donjon, puisque ça va être un peu l'Eniripsa, on va dire, des monstres. Voilà, donc son premier sort, c'est Accumulation Critique, qui se lance sur lui, qui se booste en critique et qui le booste en dommage critique. Pour ce sort, bah, on s'en fout. Alors voilà, c'est un sac de taille 2, hein, mais c'est vraiment pas intéressant. Finalement, c'est pas un sort qui est dangereux pour nous. Ensuite, on a le sort Régénération Sacrificielle qui se lance de 3 à 8 PO, qui peut faire des dommages sur une entité, donc sur nous, et qui va soigner en cercle de 2 cases tous les monstres de 10% des PV. Donc par exemple, sur la Torquiluna, ça va lui du 1400, et sur un monstre, ça va lui du 700. Et c'est lançable 2 fois par tour, mais une fois par cible. Donc par exemple, si vous tankez tous les monstres avec le panda, typiquement, lorsque l'Alage va lancer ce sort, si vous l'avez pas à votre corps à corps, du moins, il va soigner toutes les entités qui sont à votre corps à corps, et ça peut être plutôt embêtant. Ensuite, on a le sort Tir de Précision qui vole de la PO, qui fait des dommages neutres et qui se lance de 3 à 8 PO. Voilà, encore une fois, des dommages neutres, c'est pas la folie, mais c'est un monstre en fait qu'on va pouvoir counter relativement facilement vis-à-vis de ces deux sorts. Puisque, comme ça a une PO minimale, on va pouvoir le tacler, que ce soit avec Awasta ou avec le panda. Et comme ça, en fait, il pourra pas lancer ses sorts et il va faire que passer ses tours. Outre que lancer, évidemment, c'est un sort accumulation critique, mais on s'en fout. Au niveau de l'IA, si vous l'avez pas à votre corps à corps, il va avoir une IA hyper fuyarde, vu qu'il a des sorts qui se lancent un très grande PO, donc il va soigner, taper, reculer, c'est pour ça qu'il faut essayer de le récupérer le plus rapidement possible avant que ce soit trop compliqué de le tuer, notamment si vous voulez faire le succès dernier. Au niveau du donjon, c'est tout, je vais maintenant laisser Atta vous présenter la stratégie en fait qu'on a utilisée pour faire le combat et la stratégie de manière générale. Alors, pour ce qui est déjà, on va commencer à en parler du succès dernier. Donc en soi, il n'est pas très difficile à réaliser, et ce donjon de base n'est pas très difficile. Ce qu'il y a de compliqué, c'est toute la strat qu'il y a derrière. Les mobs en soi ne tapent pas si fort que ça, et même si c'est contraignant de respecter la strat du Green Orb, ça se fait quand même plutôt bien. Donc le succès dernier n'est pas très difficile à faire, et globalement, ce que je conseille de faire, que ce soit pour dernier ou autre, c'est plutôt d'aller focus en priorité soit la lâche, soit le Qashqai. Si vous pouvez one-tent très facilement le Qashqai, je vous conseille de vous en débarrasser assez rapidement parce qu'il est très relou. Il attire, il fait n'importe quoi, et lorsqu'il met son piège, qui marque qu'il fonctionne comme un piège répulsif, ben ça peut créer des trucs que l'on ne peut pas forcément prévoir, et le fait de ne pas pouvoir prévoir, c'est assez handicapant. Mais si vous manquez un peu des dégâts, à contrario, je vous conseille de commencer d'abord par la lâche. Tout simplement parce que lui il soigne beaucoup. Voilà, donc ensuite, pour ce qui est des autres succès, pour le statut, c'est plutôt bien de le faire avec un panda tank. Pourquoi un panda et pourquoi tank? Bon ben tank parce que tout simplement il se prend quand même pas mal de dégâts, mais en ayant un stuff tank, finalement ça représente pas grand chose. Et pourquoi un panda? Tout simplement parce qu'il a son debuff. Et que du coup si le Qashqai il vous arrivez à le placer correctement, et de faire en sorte du coup qu'il ne puisse pas toucher d'alliés
Et en jouant avec l'abondance, ben vous pouvez vous debuff le poison qu'il vous met et vous ne serez pas déplacé. Et en plus de ça, du coup, les alliés n'auront pas non plus de déplacement car ils ne se feront pas toucher. Donc c'est assez facile. Cependant, vous pouvez très bien le réussir avec d'autres classes, c'est plus contraignant. Mais typiquement, si vous le jouez avec une classe tank, genre un Fekka, par contre, il faudra faire en sorte ben, soit de jouer avec un glyphe de pesanteur jusqu'à ce que vous tuez le Qashqai, soit de faire en sorte de le tanker contre un mur. Si le Qashqai est contre un mur et que vous le tankez, il ne vous fera aucun déplacement. Voilà. Donc voilà, pour le statut, si vous jouez, donc il y a deux manières conventionnelles, on va dire, de le faire, c'est le panda roublard ou avec l'hylotrope. La technique Hello se fait très bien, mais elle est longue à mettre en place et fastidieuse. Pour la technique panda roublard est assez facile, il vous suffit, comme dans la vidéo que j'avais déjà faite, donc je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas vue, de tuer du coup en premier le Torkelonia, et à partir de là, le Lunorb qui était une invocation disparaît, et vous pouvez tuer les mobs tranquillement, sans aucun souci. Pour ce qui est du score de sang, je vous invite à le faire en utilisant plutôt une compo où vous pouvez taper les mobs au corps à corps, ou une compo, donc les compos par exemple où vous ne vous faites pas toucher sont assez compliqués à jouer, voire quasiment impossibles. Donc que ce soit du Yosh Nikiniko Dynamo comme nous jouons, ou avec des Ulu, etc. Vous faites comme vous voulez là, mais bon, l'important avec une compo de sang, c'est quand même de pouvoir faire soit du one shot, soit de taper au corps à corps. Donc ça c'est pour la stratégie de manière globale, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Nous dans notre combat on va vous expliquer quand même les points importants qu'il nous fallait pour pouvoir le réussir. Le premier point était de pouvoir tanker le Torkelonia vers le fond de la map. C'est pour ça que nous avons fait le placement, un placement assez excentré le plus possible tout en collant nos personnages pour inciter la Torkelonia à nous taper en zone très facilement et à venir au corps à corps du panda. A partir de là, le panda a placé la Torkelonia et moi j'ai placé le panda. Par ailleurs, nous avions un placement de la Kiwi qui était assez intéressant, enfin du moins nous avons vu que nous pouvions faire quelque chose d'assez intéressant. Donc nous avons bait son IA avec un Wasta parce que nous savions qu'elle avait tendance à avoir une IA fuyarde et que du coup, après avoir tapé le Wasta, elle essaierait de créer de la distance. Donc de ce fait, nous avons pu dès le tour 1 tanker 3 mobs et le Qashqai a vraiment beaucoup de mal à se débarrasser du Wasta, donc le Wasta a occupé bien longtemps, bien suffisamment longtemps, le Qashqai. Également, par exemple, si vous lancez un Wasta entre un Alash, enfin l'Alash et le Qashqai, vous bloquez les deux mobs avec juste le Wasta. Voilà, ça suffit. Donc voilà, par ailleurs, nous avons utilisé exactement le même placement que lorsque nous avions fait le dernier statut score de sang, donc à savoir le panda directement qui se place à proximité de la quatrième horaire. Voilà, donc nous avons tué le Kaigu en premier parce que si celui-ci commence à gagner beaucoup de PM, etc., parce que le quatrième horaire c'est l'horaire où il gagne des PM, ben, ça peut être compliqué parce que il va s'enfuir à l'autre bout de l'univers. Autant le panda il peut très bien tankler, mais le roublard, ben, vu qu'il est dans l'élément feu, pas du tout. Donc on s'en est débarrassé en premier et à partir de là, c'était quasiment gagné. Le Qashqai, bon, ben, il avait mis ses pièges, ça avait un peu troll, mais ça n'a pas posé de problème, nous avions prévu le coup. Et du coup on l'a tué en deuxième avant qu'il s'amuse à mettre 150 pièges. Et à partir de là le combat était quasiment gagné, nous avions beaucoup trop de dégâts. L'important à la fin était de placer le roublard sur la ligne, donc avec un roublabot, ça se fait très bien, ça ne pose aucun souci. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira du coup de ce full succès en un seul combat, du haut score de 100 statut dernier. La prochaine fois nous mettrons un sondage sur Twitter pour savoir le prochain donjon que vous souhaiterez que l'on aborde. On vous dit à la prochaine, bon visionnage. À bientôt.